Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Bonjour à tous, alors je refais une petite voix off. Alors aujourd'hui, je vous donne quelques exercices pour améliorer votre shoot. Si tu n'as pas vu la vidéo « Comment avoir un bon shoot » parce que tu es débutant, je te conseille vivement d'aller la voir avant celle-ci. Alors il y a un exercice commun dans les deux vidéos, c'est le premier. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Donc là, le principe, c'est un petit peu plus compliqué que sur la première vidéo, comment avoir un bon shoot. Empty pockets don't ever make the grade, mama. Donc le truc, c'est juste à une main, shooter à tous les postes. Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money you got lost. Donc le principe c'est de partir de face et ensuite de reculer petit à petit. Alors le truc qu'il faut pas faire c'est justement se mettre à 3 points. Ou alors, si vraiment vous êtes chaud, vous pouvez vous mettre à 3 points. Mais voilà, c'est vraiment que pour travailler ça. Là, vous aurez une bonne main droite après. Hein. Si tu fais cet exercice correctement, je te garantis que ça va vite s'améliorer. Ouais, donc pas à 3 points. Et donc après, tu repars depuis sous le panier, en fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu pars, donc je sais pas, face au panier, par exemple. Donc les épaules face au panier. Ensuite, tu joues à une main, hop, tu recules jusqu'à juste avant la ligne des 3 points. Ensuite, tu fais ça à 45, à 0. Et si tu as le temps, bah, fais-le des deux côtés, quoi. J'en profite pour m'excuser de ne pas avoir publié de vidéo. But God bless the child that's got his own, that's got his own. Donc ensuite, l'exercice suivant est un petit peu plus compliqué. Donc tu auras des bons appuis. En gros, tu pourras faire un petit peu comme les joueurs NBA. Tu pourras un peu shooter n'importe comment, sur une jambe, sur la tête. Non, je rigole. Non, en gros, le principe, c'est de se déséquilibrer. Alors tu te mets sur un pied, tu touches par terre. Donc moi, oui, bon, je peux prendre la main à une main, mais bon, à deux mains, ça marche aussi. Ensuite, tu te mets au lancer franc et tu shootes... Tu shootes juste à deux mains, mais sur un pied. Donc tu fais tes deux pieds. Donc moi je commence avec le pied droit, parce que voilà, c'est celui qui est face au panier quand je shoote au lancer franc. Cet exercice, si tu veux, tu peux le faire partout
Alors, je pense que, il commence à être quand même vachement compliqué quand tu te rapproches de la ligne des 3 points. Mais tu peux toujours tenter. Et je te garantis aussi que si tu en rentres pas mal sur un pied déséquilibré comme ça, près des 3 points, il y a quand même beaucoup de chances que tu aies un bon shoot. Hein. But God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own. Donc ensuite, tu peux avoir un exercice. Alors que j'ai vu dans un truc NBA, c'était pas. Alors soit je l'ai mal, soit je le fais mal, soit il est nul. Hein. Parce que en fait, le principe, c'est de partir de sous le panier, de lancer la balle. Sights to see, and when I look in my window. Donc comme d'habitude, faites attention à vos appuis, faites attention à votre shoot, et au bout d'un moment, bah, arrêtez de vous poser des questions, quoi. Donc on reprend sur l'exercice que j'ai vu sur une vidéo NBA, qui est de lancer le ballon. Alors à mon avis, je le fais mal, mais du coup, c'est pas mal parce que ça fait comme si vous receviez une passe. Vous le lancez, hop. Bon, c'est un peu moyen ce que je fais. Donc encore une fois, on voit bien mon gros défaut d'être mou. Franchement, quand je l'aurais changé, ce sera cool, je pourrais vous montrer comment j'ai fait pour changer. Mais je pense que je peux être dur en fait, mais c'est dans la tête. Et donc après moi j'ai mon exercice à moi, alors c'est tout basique, hein, à mon avis tout le monde connaît, hein. C'est de lancer le ballon de façon à ce qu'il fasse un effet reverse, non rétroactif, et qu'il revienne vers vous comme si c'était une passe. Vous courez, vous arrêtez, et n'oubliez pas d'aller vers le ballon. Ça c'est important de prendre ce réflexe-là, parce que... Il y a beaucoup, enfin on me le dit beaucoup, et puis je suis pas encore hyper fort, mais il faut aller vers le ballon parce qu'en match ça va bouger et tout ça, et donc du coup vous devez aller vers le ballon. Donc, baissez vos appuis et tout ça, quoi. Après, il ne faut pas être assis par terre non plus pour shooter, sinon vous risquez de vous faire contrer. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc c'est une vidéo qui est un peu plus mieux que les précédentes parce que j'ai réussi à tourner en extérieur même si ça caillait pas mal. Donc encore une fois, excusez-moi, j'ai sorti aucune vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'amuser. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Alors, oublie pas, c'est en shootant qu'on devient un bon shooter. Voilà, si tu fais 10 000 shoots toutes les semaines,
Je te garantis, si tu travailles dur et tu travailles intelligemment, en shootant, en étant pleinement concentré, je te garantis que tu vas t'améliorer considérablement et que tu vas avoir un super shoot. Quelques shoots ratés aujourd'hui, bon, c'est pas trop grave. J'ai tourné plusieurs vidéos aujourd'hui. Bon, allez, à la prochaine.